Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, je profite d'une belle journée. Nous sommes le lundi 7 août. Voilà, je suis content parce qu'on a enfin un peu de soleil. Ces derniers temps c'est un petit peu gris, un petit peu froid. Donc là je me suis dit tiens, il y a longtemps que j'ai pas été voir un petit endroit par curiosité. Donc là je suis en route vers le pic Lagarde. Pas très très loin de chez moi, je pense que c'est à moins de 15 km. Là j'en ai fait 4,5 bientôt. Donc voilà, donc je vais aller découvrir. Je sais pas trop. J'y vais un peu au feeling parce que j'ai pas vraiment regardé la route. On verra bien. Par contre, il me semble que si je vais tout droit, c'est une impasse. Je vais aller par là plutôt. J'ai vraiment un doute là. Alors je vais aller par là plutôt. Par là, je sais que c'est pas une impasse. Je l'ai déjà fait, je le fais pas mal ce sentier, mais dans l'autre sens. Donc je vais voir le pic Lagarde à 700 mètres d'altitude. Là actuellement je suis à 510. Donc tranquillement, voilà. J'ai mon petit voyage qui se prépare bien. Le départ est dans 3 semaines. J'achète les dernières bricoles que j'ai besoin. J'ai quasiment tout. Hein. Il ne manque plus que là maintenant sur un oreiller gonflable. Parce que l'année dernière, ça m'avait un petit peu manqué. J'irai peut-être l'acheter vendredi à Decathlon. Si j'y vais, j'irai avec le vélo de voyage, je pense. Comme ça, j'irai acheter 2-3 bricoles pour ma petite boîte. En même temps, Ah, c'est vraiment bien là. Là, il fait frais, c'est vraiment agréable. Hein. Voilà, donc là, je vais, comme je vous dis, au pic. Et après, je pense, je vais essayer. Hein. Je suis pas sûr à 100%, mais d'être à 18h au château de Parentigna. Actuellement, on émerge, on peut dire une amie maintenant, on ne se connaissait pas, mais maintenant c'est une amie. On émerge une amie qui est venue faire un stage dans un château de Parentigna, pas bien loin de chez nous. Et elle est arrivée samedi soir, on ne la connaissait pas du tout, on nous a demandé, elle vient du côté de, je sais plus, j'ai oublié le nom du village, quoi. C'est du côté de l'Atlantique. Et donc on nous a demandé si on pouvait héberger cette jeune demoiselle qui a 21 ans, on y va avec plaisir. Hein. Nous on aime bien faire des rencontres intéressantes. Voilà, donc elle finit à 18h et peut-être que je me suis dit, j'irai peut-être la chercher. Je lui ai passé le vélo de ma femme parce qu'elle n'a pas de voiture, elle passe le permis actuellement. Donc elle prend son vélo, voilà. Donc hier on a été faire un tour en repérage, je lui ai montré la route. Voilà, hop là. Alors marrant, depuis que j'ai vu la grosse couleuvre, je peux dire que ça m'a traumatisé, mais j'ai l'impression que je suis un peu plus attentif quand même parce que quand j'ai montré la photo aux amis, tout le monde a été impressionné par la taille du monstre quoi. Et le crapaud. Impressionnant la taille du crapaud aussi. Immense le crapaud, il était gros. Voilà, donc là ça va devenir un petit peu moins intéressant. Mais quand je passe en voiture par là, je passe par là tous les mercredis, même tous les lundis aussi, je suis passé ce matin, j'ai vu qu'il y a un petit sentier que j'ai jamais pris en vélo, bientôt sur la gauche. Donc je suis curieux de voir où il emmène. Il y a un petit peu de vent, un petit vent du nord. Ah, donc j'ai acheté 4 batteries externes, des petites. Je ne vais pas m'encombrer avec mes grosses batteries que j'avais l'année dernière pour mon voyage. Puis il y a un petit truc que je suis content, c'est que là j'avais perdu la bonnette du Media Mode. Bon là j'ai un micro externe donc il n'y a pas de problème. Et pendant mon voyage, à mon avis je ne pourrais pas tout le temps utiliser le micro externe parce qu'il y a 2 modules. Le micro et le récepteur. Donc quand ils seront en panne, voilà, c'est par là.
quand ils seront en plus de batterie, et ben faudrait que j'utilise le, si j'ai pas eu le temps de les recharger, le Media Mode. Et comme j'avais plus la bonnette, et ben le son était catastrophique dans ce cas là et je voulais l'acheter, donc je regarde sur le site GoPro, je la trouve pas. Je regarde sur internet, Amazon, j'ai passé tout le monde, je la trouve pas. Je vais voir la Fnac, ils ont pas. Je vais voir Darty, ils ont pas. Je me demande où ça va m'emmener ce truc là. Et du coup, bah, j'ai dit bon, j'ai pas le choix, je vais téléphoner au SAV. Oula, c'est là, faut que je baisse la tête. Oula, voilà, c'est passé. Je lui ai dit, j'appelle le GoPro. Pour ça, ils sont un SAV qui est vraiment, vraiment efficace. Hein. Donc, je leur explique mon problème. Ils me disent, bah écoutez, c'est une pièce qu'on ne peut pas acheter séparément. Ah! Alors, je lui ai dit, c'est bien beau ça. Si je ne peux pas l'acheter séparément, je ne vais pas acheter un Media Mode complet. Oulala, là là, ça vient de la gadoue. Hop là. J'ai lavé le vélo hier. Hop. Donc, je me dis, je ne peux pas acheter un Media Mode pour une pièce à 2 balles, quoi. Alors, ils m'ont dit, bah écoutez, on va vous faire un geste commercial. On va vous l'envoyer gratuitement. Ah bah ça c'est vraiment sympa. Alors et je l'ai reçu le lendemain. Ça m'a aussi impressionné. Alors le truc quand même qui est dommage, c'est qu'on puisse pas l'acheter séparément, parce que je suis désolé, mais pour moi c'est une pièce, pas dire d'usure, mais c'est une pièce qu'on peut perdre. Oui, je me demande si c'est une bonne idée que j'ai eue de passer par là. Moi, énormément de pierres. Si je mets le pied à terre, je pourrais pas repartir, et je pense que j'ai pas tarder. Oula, pour le moment ça passe, mais ça va mieux là. Ça monte toujours, mais il y a moins de pierres. Ok, hop là. Donc du coup il m'a envoyé, je l'ai reçu, ça marche nickel. Faut pas que je la perde à nouveau, parce que là par contre je me demande s'ils vont me dire on vous envoie une nouvelle, ça m'étonnerait. Ah, je suis pas sûr. Oula la vache. Eh ben dis donc, quelle montée là. Waouh. Là je suis content de pas avoir mis le pied à terre. C'est bien sympa quand même, mais. Ouh. J'ai mis le mode turbo là, c'est pas le choix. Je suis parti, la batterie était pas à 100%, parce que j'avais fait 20 km hier, un peu moins. Moi je l'ai rechargé une heure. Voilà. Donc je commence vraiment à être prêt pour mon petit voyage. Je lui dis, il ne manque quasiment plus rien. Le vélo, j'ai fait 2-3 tours avec. Il est nickel. Puis je vais vendredi avec, je suis pas sûr de pouvoir, mais si je vais avec à Clermont, un aller-retour, ça fait 100 bornes. Allez hop. On va passer par là. Je pense que c'est par là, je pense que c'est une impasse, une maison là-bas. Hop. Ah, je suis pas loin, mais je découvre. C'est marrant, hein. J'ai fait 6,5 km depuis le départ. Ah, c'est sympa ça, c'est un petit. Oh, un toutou. Un toutou non agressif. Bon, je vais couper un peu, parce que là pour le moment, pas bien passionnant. Je reviens quand ça revient sympa. Je quitte la route, là j'ai trouvé un sentier qui me plaît bien. Alors bien sûr, ça va monter là. Je pense que je suis dans la bonne direction. Et à savoir, est-ce que je vais vraiment aller au pic par là, j'en sais rien. Tant que ça monte, c'est bon. Hein.
Allez, regardez là le panorama. Bon, il y a le rétro qui va bloquer, mais bon, ça va pas rendre à la GoPro, mais vraiment beau. Là, je suis à 600 mètres d'altitude. Je sais pas ce que ça va donner le pic. Il me reste 90 mètres à faire, je vais vraiment pas être loin. Est-ce que c'est en face, quelque part en face, dans les arbres? J'aimerais bien un pic avec une vue à 360, mais je pense pas que ça va être le cas. Voilà, ça commence à redescendre, ça me plaît un peu moins parce que là, la route, celle-là, j'ai déjà prise. Je pense pas que je vais m'arrêter, regarder mon téléphone et regarder sur Strava. Alors, je vais vous montrer, je suis pas du tout dans le coin, j'ai complètement bugué. Parce que Soxilence, c'est là, et moi, je suis là, et je sais pas ce que j'ai fait parce que. Pas comment je suis atterri là, parce que dans ma tête j'ai pris, vous voyez, je suis arrivé par un sentier qui était là, j'ai pris ça et là je me retrouve là, et je sais vraiment pas ce que j'ai fait. Pourtant j'ai un bon sens d'orientation, mais là j'ai complètement planté, là je suis pas du tout dans le bon sens. Alors du coup faut que je reprenne ça et ça pour aller là. Donc là ça va être à gauche et je vais suivre le sentier. C'est marrant parce qu'il me propose un truc Strava là, un itinéraire de 32 km, voilà. Mais bon, je vais pas le faire, 1h20, 32 km. En plus, j'ai pas le support volant guidon, donc je vais y aller un peu au feeling comme d'habitude. Bien que là, ça m'a pas réussi. Bon, c'est pas grave. Parce que je regarde l'heure, parce qu'il est 4h bientôt. 4h moins 10. Et bon, après, j'ai pas dit à la fille que je venais la chercher, mais je me sens plus rassuré. Elle a 21 ans, mais la route, il y a quand même pas mal de voitures et hier je l'ai senti pas 100% à l'aise avec le vélo, alors je serais plus rassuré si j'allais la rejoindre. Et, ce matin j'ai eu une idée dans la nuit, il faut que je lui dise là, parce que je veux pas du tout l'espionner, mais j'étais un petit peu inquiet. Hop là, laissez passer lui. J'étais un petit peu inquiet. Hop là. Ce matin, quand je suis parti, je me suis dit ouais, mais j'aimerais bien savoir quand est-ce qu'elle arrive. Et elle a pris mon téléphone, mais moi, ma femme a le sien, donc je n'ai pas pris le sien. Et puis je me dis, ça m'embête quand même de pas savoir si elle arrive. Alors j'ai glissé mon tracker dans la sacoche du vélo. Mais bien sûr, je vais lui dire hein, que c'est pas du tout pour l'espionner, mais c'était vraiment pour me rassurer. Et ce qui est marrant, c'est que ma femme actuellement, elle est là, bon là, elle est aide à domicile. Et elle m'a envoyé un selfie avec elle où elle l'a rejoint parce qu'elle était dans le même village qu'elle. Donc elle a dû faire une petite pause pour faire un petit selfie. Alors, comme ça, je me suis retrouvé bien rassuré. De toute manière, j'avais vu qu'elle était arrivée. Voilà, donc. Alors si je la rejoins tout à l'heure, je ne sais pas si vous allez la voir parce que elle est un peu timide, alors je voudrais pas. Et moi quand c'est des amis que je prends en vidéo, je leur demande tout le temps leur avis, hein, s'ils sont d'accord ou pas. Hein, si elle ne veut pas, j'insiste pas. Et puis voilà, hein, je ne la montrerai pas. Hein. Ou peut-être dodo à un moment, voilà, on verra. Bon, là je vais couper, c'est pas bien intéressant. Alors je sais pas combien de kilomètres j'ai du coup, moi. On verra tout à l'heure. Écoutez, j'ai complètement perdu mon sens d'orientation. Là dans une impasse. C'est devenu une catastrophe. Pourtant j'avais un bon sens d'orientation, mais je sais pas ce que j'ai fait. Mais là j'ai regardé tout à l'heure, je me suis encore éloigné du pic que je devais faire. Je m'éloigne tellement que franchement je crois que ça va être mort pour aujourd'hui. Je tourne en rond. Bon là par là il n'y a pas de chemin, c'est clair. Donc là j'ai encore fait une belle impasse. Regardez par là.
complètement perdu limite. Je commence à savoir pourquoi j'ai jamais fait ce pic là. Bien qu'il soit pas trop loin de chez moi, mais je dis c'est pour y aller, j'ai l'impression d'être dans un labyrinthe quoi. Là je suis à 650 mètres mais je sais que je suis loin du pic. Hein. Bon, bah, c'est mort. Hein. Je vais retourner un peu plus tard en faisant un peu plus attention à ma route. Là, je vois un sentier que... Il me semble que je l'ai déjà pris une fois, mais j'ai un doute. Je me dis, bon, bah, je vais faire une balade comme d'habitude. Hein. J'aurais bien aimé vous montrer un truc pour une fois. Je me dis, tiens, il y a longtemps que j'ai pas fait de vidéo en disant, je vais aller voir ça. Et bien là... loupé. Et des fois je crois que je me suis embrouillé avec la caméra, alors j'espère que j'ai éteint, je parlais dans le vide je pense, et à un moment je pensais de l'avoir coupé, je l'ai pas coupé, alors j'ai peur que ça décale un peu tout. On verra bien en montage. Je pense à faire demain matin la vidéo, non pas demain matin, on est quel jour, est-ce qu'on est mardi demain? Demain je peux. Je viens de lire ton message pendant ma petite pause quand je regardais Strava, j'ai vu une notification Lydia. Je sais que tu regardes toutes mes vidéos. C'est vraiment très gentil ton commentaire sur mon tour de ma vidéo de 2021 où j'avais roulé 3 jours dont la dernière journée 176 km. Alors j'ai fait 176 km le dernier jour. Je me souviens plus si je l'ai dit dans la vidéo, si je dois le dire. C'est que je l'ai dit, hein, c'est que je commençais le travail, je devais me lever à 5h du matin. Je suis arrivé chez moi, il était plus de minuit, je crois qu'il est minuit et demi. Et je me suis levé à 5h. Un peu fou. Oh, c'est sympa aussi par là. Et là je suis en train de voir pour... Il y a une chose que j'ai envie de faire depuis longtemps. C'est de faire une grande étape de nuit. Et j'en suis pas sûr du tout. Hein. Mais mes problèmes quand on roule de la nuit, c'est qu'on ne profite pas du paysage. Là c'est bien compliqué là. Voilà, allez, hop là. Comme on ne profite pas du paysage, j'ai envie de le faire sur une portion que je connais bien, hop là, où j'aurai l'occasion de revenir au pire. Alors ce que j'ai envie de faire, c'est ma dernière étape de mon grand tour, faire ma étape classique où je pars le matin, en général je décolle vers 8h du matin, mais faire une nuit blanche hein, sur le vélo. C'est ce qu'a fait enfin, si vous connaissez la chaîne Voir aussi Club. Alors, je regardais pas mal de leurs vidéos pour dire peut-être même tout un chemin. Ouh là là, c'est pire que Gadoué. Le vélo, je l'ai lavé hier, on va dire. Et je les ai connus en cours de leur aventure. Ils sont partis un an faire un tour d'Europe. Et la dernière étape qu'ils ont fait, je crois, la dernière ou l'avant, je crois que c'était la dernière. Ils ont fait ça. Ils sont partis le matin comme d'habitude. Et ils sont pas arrêtés pour dormir. Ils ont roulé toute la nuit. Alors ça, c'est un défi qui me plaît aussi. Alors je vais voir. Peut-être que je vais le faire. Hein, j'en suis pas sûr. Et là, j'ai acheté aussi pour mon séjour une frontale. Donc si je dois monter ma tente de nuit, ça sera pratique. Je compte pas emmener ma lampe R2, là, la grande, là, qui est prévue pour, mais la batterie est lourde. Et je me suis rendu compte que je l'ai plus utilisé l'année dernière. J'ai dû l'utiliser deux fois. Une fois pour monter ma tente.
parce que c'était dans les derniers jours où j'avais arrêté de pédaler tard après Limoges. Donc je me dis, j'en ai pas vraiment besoin. La batterie, elle devait faire au moins 300 grammes, je pense. Avec la lampe, le support et tout, on est dans les 400 grammes, quoi. Je sais pas, je me trompe peut-être, hein, je pourrais vérifier. Je me dis, la frontale que j'ai achetée, c'est léger comme tout, c'est une bonne autonomie, et ça sera plus pratique pour monter la tente, si je dois le faire de nuit. Ouais, non, je me demande où je vais atterrir. Alors, on voit bien qu'on a eu pas mal d'eau ces derniers jours. Alors, je repense au serpent. Là. Quand j'arrive à un chemin comme ça, je repense au serpent. Ça m'a un peu traumatisé l'histoire. Là. Je pense à Kervilou qui m'a déjà posé la question dans les commentaires. Tu vois pas des serpents? Et ben là. Alors je sais qu'il regarde mes vidéos, il me dit souvent en pointillé. Alors si tu vois ça, Kervilou, je pense bien à toi. On aura le droit au traditionnel orti. Hop là. Alors, là, je suis déjà passé là. Je me souviens une fois que j'ai pris le circuit du Creux du Loup. Et quand je l'avais pris, je me souviens plus si j'étais venu. J'étais pas venu de là-bas. J'étais soit venu d'ici, soit de là. Je me souviens plus. Ah, je me souviens plus. Circuit de là-bas, c'est le circuit de la randonnée gourmande. Ça me fait penser que j'ai un peu soif. Je pense que je vais aller par là. Enfin, je suis pas sûr. La route de là-bas, je suis quasiment sûr de l'avoir fait. Celle-là, la route qui monte, j'en suis beaucoup moins sûr. Ah si, je l'ai faite. Et il n'y a pas bien longtemps d'ailleurs. Parce que je reconnais la ferme là-bas, il me semble. Hein. Là-bas, il y a une ferme là-bas, on ne va pas trop la voir avec sur la GoPro. Coucou les vaches. Bon là, je roule un peu au pifromètre. Hein. Je monte. J'ai déjà passé une fois ici. En réalité, je suis pas loin de la maison. Hein. J'ai fait 21 km depuis le départ. Et je suis vraiment pas loin de chez moi. Enfin, pas loin, je dois être à, je sais pas, 7 ou 8 km, je pense. Allez, je m'engouffre dans un chemin. Celui-là, j'ai pas souvenir de l'avoir emprunté.
Je fais beaucoup de dénivelé positif aujourd'hui. Là, en 22 km, j'en suis à 600 mètres, la pile poil. Ah, attention abeille, attention piège. Bon, les ruches les voient, mais les pièges, c'est des pièges à quoi? Mais vu qu'il y a une chaîne, et je pense que c'est peut-être une impasse encore une fois, à mon avis, je suis pas sûr du tout, mais j'ai pas envie de prendre de risques. Hein. Il y a du barbelé à gauche, je vois, donc c'est encore, on va dire, encore privé, quoi. Voilà. Dommage, le sentier me plaisait bien, là. Mais bon, faut se méfier des abeilles, parfois. Ah, regardez, j'ai pas fait attention à l'aller, mais là c'est beau quand même. Une belle région. Hein. Quand il y a ce temps-là, quand il fait beau comme ça, c'est là que j'aime vraiment être en Auvergne. Hein. Ce que je dis, moi, il y a qu'un truc que j'aime pas dans l'Auvergne, c'est le climat. Quoi. Souvent il pleut, je trouve. Où il y a du brouillard. Où il y a de la neige aussi. Alors, la neige, c'est sympa 2 minutes, mais quand on fait du vélo, à un moment, je veux dire que après l'hiver, j'étais bien content d'être sorti parce que c'est amusant 2 minutes, mais à la longue, un peu fatigant quand même. Et après, bon, ça, c'est un peu partout pareil, mais les journées sont courtes en hiver, donc ça, quelle que soit la région, hein. À part en Bretagne, ça j'aime bien, avec mes beaux-parents qui sont en Bretagne, il y a le soleil, je sais plus combien de temps ils se couchent après nous, mais ils profitent nettement plus. Hein. Bon, bien là, le matin, il fait nuit plus tard, mais moi, ça ne me dérange pas le matin. Là, on a perdu une demi-heure par rapport au 21 juin. Je parle uniquement pour le soir. Hein. Donc avec le matin, on a bien perdu une bonne heure. Hein. Hop, voilà, je reprends la route. Ah, je suis bien là quand même. Hein. Allez, je reviens quand j'ai retrouvé un petit sentier sympathique. Pas rester longtemps sans sentier. Quand même bien plus agréable que le bitume. Hein. Donc ce soir, on a aussi une copine qui va arriver, de 41 ans. Arrêtez qu'on a rencontré qu'une fois, mais le courant est bien passé, on l'a rencontré quand on était en Corse, en vacances. Donc là, elle va passer une petite semaine chez nous, je viens de le dire qu'elle a 41 ans. Voilà.
Hop. Oula, là ça devient compliqué à nouveau là. Là ça devient compliqué là. Je pense que par là. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un sentier, c'est quoi par là? Ça m'a l'air un peu tendu, mais faisable. Peut-être que après la situation, je vais reprendre un petit peu d'élan, je pense. Un petit tour vite fait et je vais aller voir. Hop. Là tout droit, c'est clair que ça me semble bien compliqué. Par là, on va voir. Bon, pour le moment ça passe, mais à mon avis, je vais me retrouver dans une impasse. Oh, ça a l'air d'aller. Hop là, je fais une bien mêlée. Waouh. Regardez ça. Alors ça. Pop. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Regardez, ah bah des lions, ah la surprise. Et regardez là, oh là là, ah ça mérite des photos ça. Ah bah vous voyez, des fois ça vaut le coup quand même d'aller un peu à l'aventure. Hein. Je vais mettre avec le vélo, je vais en faire avec et sans vélo parce que là c'est vraiment beau ça. J'en connais plus d'un qui va encore me demander mais où j'ai pris ça quoi. Des fois quand je mets ça sur Instagram, bien que j'utilise très peu Instagram, on me dit mais elle est où cette voiture? Impressionnant. Waouh, ça c'est beau ça. Ah là, je suis content hein, parce que franchement, des découvertes comme ça, c'est pas souvent que j'en fais. Hein. Je vais m'appliquer au cadrage là, parce que là, dis donc, assez impressionnant. Hop, on va aller voir les 4 aides et je vais en faire avec les vélos devant. Enfin, le vélo, je sais pas pourquoi j'ai dit les. Waouh! Ah, dis donc, il y a encore la plaque. Ah, la platine qu'elle a la voiture. C'est impressionnant. C'est étonnant parce qu'elle est, pas dire complète, mais au contraire, hein, il manque beaucoup de pièces. Hein. Il n'y a plus de moteur apparemment. Ouais, il n'y a plus de moteur. Mais je trouve que la coque, hormis que maintenant elle est complètement rouillée, mais je suis quand même surpris que les voitures peuvent être là en pleine forêt. Ah, je vais faire avec le vélo. Hop là. Ça c'est beau quand même. Ah, le vélo dans l'autre sens, ça sera plus joli. Ah, ça m'impressionne. C'est pas la première fois que je crois que je vois des épaves. Une fois, j'ai une vidéo qui s'appelle comment, j'en ai déjà parlé, j'en vous en parle de temps en temps parce que celle-là aussi m'avait impressionné, drôle de rencontre, un truc comme ça, où j'ai rencontré des vieilles voitures pareil, mais ah là là ça rend mieux comme ça. Wow. Je vais en faire une bien avec à droite comme ça pour la miniature de la vidéo, ça sera très sympa. Ah, je viens d'avoir un message. Un instant de toi, Lydia. j'ai ma montre qui vibre quand tu me mets un message. Je ne l'ai pas lu, mais après, je te répondrai tranquillement ce soir ou demain. Des fois, il m'arrive, je dis, ah, je vais répondre le soir, et puis je me dis, ah, j'ai oublié. Hop. Alors, on va aller voir la 4L. Je vais faire pareil avec la 4L. Un lieu de bivouac sympa, une 4L. Oh là là, elle a souffert, hein, elle a eu un accident. Hein. Ça se voit. Hein.
Wow, ça c'est des photos. Ça c'est des photos que je vais garder dans mon téléphone. Hein. Je vais faire pareil, je vais voir laquelle que je prends. Je pense que je vais prendre plutôt l'autre voiture pour la miniature. Et ce qui est étonnant, c'est que. Hop, attends, je suis rangé mon téléphone. C'est que la calandre, hein. Bon, on voit bien qu'elle est défoncée, mais j'ai l'impression qu'elle est plus récente que la voiture qui est là. C'est ça qui est bizarre. Elle m'a l'air d'être en bien meilleur état que, je veux dire, le chrome. Je vais vous montrer de plus près. Hop, pas évident. Le vélo, il est lourd quand même. Hop là, la béquille qui fait le bruit là. Et la calandre, je trouve qu'elle brille. Il suffit de la frotter un tout petit peu et elle retrouvera son éclat d'origine. Ah, oh, ça m'impressionne. Quelle rencontre. Alors là, c'est une certitude, je suis jamais passé là parce que ça m'aurait marqué. Oh là, c'est impressionnant. Bon, ben, je vais continuer mon petit périple. Hein. Et des fois, en vélo, on tombe sur des trucs. Il y a des fois, il y a un truc, c'est un peu morbide, hein. Mais des fois, on entend que des promeneurs sont tombés sur un crâne, un truc comme ça, ceux qui vont aux champignons, tout ça. Et des fois, je me demande par les chemins où je passe, je me dis, ça c'est un... Ouais, ben voilà, donc c'est une impasse, hein, quand même. Hein. Mais au moins, j'ai vu quelque chose d'impressionnant. Hein. Là, ici, il y a des arbres qui ont été coupés. Hein. Et je me dis, avec tous les chemins que je passe, c'est le truc qui pourrait peut-être m'arriver un jour. Hein. J'espère pas, mais je me dis, je suis pas à l'abri. Hein. On passe, là, vous voyez, par où je passe, là, bah, y a pas grand monde qui doit passer. Hein. Ah, ça, là, bah, je repasse devant. Les belles voitures, entre guillemets, mais... Oh là, ça y est, il y a le volant encore, le volant est encore là. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas du tout ce que c'est comme voiture, celle-là. C'est certainement une voiture... Je sais pas. J'ai peur de dire une bêtise. Je vois pas de marque indiquée. Si vous le savez, dites-le. C'est intéressant à savoir. Et l'année, si vous avez une idée, je pense que c'est une année, je dirais, ça c'est juste une voiture, je pense des années 50-60. Je pense peut-être avant 70, mais je pense pas que ça soit plus vieux. Peut-être. Hein, j'espère que l'un d'entre vous aura la réponse. Malheureusement, vous êtes quand même, pas dire pas nombreux à voir mes vidéos, vous êtes une centaine en général. Enfin, il y a 100 vues en général sur mes vidéos, mais je sais très bien que ceux qui vont arriver jusqu'à ce moment-là, eh ben, on aura une poignée, quoi. Je sais qu'il y aura Lydia, ça c'est une certitude. Il y aura Lydia, il y aura Farid, il y aura Loïc, ça c'est une certitude. Hein. Je pense qu'il y aura Alain, Marité, c'est des clients que j'apprécie qui viennent me voir... tous les mardis et tous les samedis, et regardez, ils aiment bien mes vidéos. Alors Kervelou, je sais pas, c'est, il met tout le temps un petit commentaire, Kervelou, mais je sais qu'il regarde mes vidéos, il me l'a dit une fois en pointillé, et là je vois, parce que des fois, il me dit, superbe vidéo, une vidéo qui dure une heure, il va me dire à 19h15, superbe, à 18h15, un quart d'heure après la publication de la vidéo, qu'elle est superbe. Après, je comprends complètement. Hein. Ce n'est pas du tout un reproche. Hein. C'est vraiment... Moi, j'aime bien. C'est très sympathique. Bon, ben, c'était encore une impasse, on va dire, encore une fois. Hein. Mais là, c'est une impasse qui vaut le coup. Hein. Là, franchement, je regrette vraiment pas de m'être infiltré.
je serais vraiment passé à côté de quelque chose. C'est marrant parce que en vélo, là j'étais parti pour voir un pic que je ne verrai pas aujourd'hui. Et finalement, je vois un truc que je m'y attendais vraiment pas, quoi. Comme avec le vélo de voyage, hein, j'ai hâte, hein, parce que je me dis, là, le vélo de voyage, c'est encore pire que le vélo qu'on fait dans le coin. Hein. On fait des rencontres, surtout humaines, hein, parce que je fais pas trop quand je fais du vélo là, parce que vous voyez, est-ce que je pourrais aller par là je peux tenter par là, ouais. Je fais surtout des rencontres humaines quand je fais du vélo touristique. Hein. Parce que là, quand je vois quelqu'un, c'est à peine bonjour. Hormis s'il m'arrive un pépin, là, c'est clair que c'est discussion à chaque fois, quoi. Bon, c'est pas souvent que j'ai eu des pépins, mais la dernière fois, j'ai fini à l'apéro avec les gens, quoi. Là, j'avais pas la caméra ce jour-là. Je te dis pareil, je vais l'emmener pour un tout petit tour. Et finalement, c'est des fois, quand j'emmène pas la caméra, il y a plein de choses qui se passent. Là, je l'aurais pas emmené. Et je vais vous dire, j'ai même hésité un petit poil. Non, parce que je me suis dit, je vais voir le pic. Mais au début, j'ai dit, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me balader dans le coin. Oh, je t'emmène pas la caméra. Et là, de toute manière, j'aurais pas emmené la caméra, je serais revenu. Hein. C'est une certitude. Hein. Alors, on va avoir une belle vue. Hein. Qui va pas durer très longtemps, mais alors là, j'ai deux chemins qui se proposent à moi. Allez, on va aller par là. Hop là, bah là, je pense que c'est. Je sais pas si ça va être une impasse. Mais... Bon, ça va nickel. Je me suis acheté aussi une nouvelle pompe parce que la mienne que j'utilisais de temps en temps quand il m'arrivait de crever, un truc comme ça, elle est vraiment, vraiment horrible. Elle était toute en plastique. Là, ça descend. Hop. Voilà. Et je l'ai acheté donc sur Amazon, j'ai pas payé bien cher, 15 ou 17 euros, et ce que j'aime bien c'est que elle est en métal, ça m'a surpris, et je l'ai testé, au moins elle marche bien. Oh là 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 là, j'ai pas envie d'être dans une impasse parce que ça monte pas mal quand même dans l'autre sens. Hein. Oh là là, oups ça. Ah, je suis quasiment sûr que ça va être une impasse. Bon, après, ça se monte, ça, mais... Après, je découvre, hein, une impasse, c'est pas dire que ça ne dérange pas, mais... Ça m'embête moins de faire une impasse en vélo qu'en voiture. J'ai horreur de tourner en rond en voiture. Ah, je vois un chemin là-bas avec un peu de chance. Ah bah c'est bon, ça s'améliore, c'est bon. Je retombe sur un bon chemin. D'ailleurs, je vais aller à gauche parce que à gauche ça mérite d'être fort sympathique. Waouh, j'adore ça. Et ben voilà, nickel. Nickel, et je viens de là-haut. Et là, j'ai vu un beau chemin là. Voilà. Ça monte fort, hein. D'un coup. Je commence à regarder l'heure parce que dans une heure je dois être au château de Parentignia. Bon, elle termine à 18h, mais je suis même pas sûr qu'elle s'attend à mon arrivée, mais je pense que ma femme a dû lui dire que j'allais venir la chercher, enfin là
l'accompagner plutôt. Ah, ça monte là. Faut que ça monte. Il monte bien ce vélo, hein. C'est peut-être pas un pur VTT, mais franchement, il monte bien quand même. Hein. Comme je vous l'ai dit, là, je trouve qu'il a la géométrie du VTT. Il n'y a que l'équipement de... Je change les pneus, j'enlève les garde-boue. Et je pense qu'on pourrait dire que j'ai un VTT. Et des fois, je me tâte à changer par la suite avec un tout suspendu. Au début, ça ne m'attirait pas du tout. Parce que pour moi, suspendu, c'est pour faire de la descente. Alors qu'apparemment c'est pas le cas. Et chez mon copain Fred, qu'on a acheté un là haut de gamme là, il m'a dit c'est fabuleux. Alors comme je lui ai dit, je le vois tous les dimanches, j'en ai parlé encore dans un pas encore parlé dimanche, j'ai dit mais mon vélo je l'aime tellement que je changerai. Il me dit ouais, mais tant que t'as pas goûté, il dit les heures où tu goûtes, tu seras emballé. Et puis celui-là, je me dis, il n'y a que un an et demi que je l'ai. Donc j'ai fait, j'approche des 7000 km. Je trouve ça un peu tôt pour le vendre. Pour moi, je ne l'ai pas amorti encore. J'aimerais faire au moins avant de le vendre, je sais pas, 20-30 000 km avec. Hein. Ou alors, peut-être une panne moteur. Enfin, encore une panne moteur, ça se change. Hein. Bon, j'ai le temps d'y réfléchir. De toute manière, pour le moment, j'ai pas les finances. Parce que si je change pour un tout suspendu, ça sera plutôt un vélo, un cube. Je pense rester chez Cube. Mais quand on monte dans les hauts de gamme, les vélos, ça commence à coûter bien cher. Hein. Déjà celui-là, je l'ai payé pas loin de 3000. C'est déjà un bon prix, je trouve. Et si je prends le tout suspendu que j'ai envie, j'ai pas bien regardé, mais je crois que c'est dans les 6000 euros. Hein. Allez, ah, c'est encore pareil, hein. J'ai plusieurs chemins qui se proposent à moi. Et allez par là. Je sais qu'à droite, je l'ai déjà pris, parce qu'une fois, j'étais venu avec mon beau-père ici, et il y avait des chevaux. Mais après, on avait repris la route. Ah, ben oui, mais la route, elle revient là aussitôt. J'ai vu un autre chemin là. Mais attention, oh là 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 là, le chemin là. Attends, si c'est celui, j'ai fait un chemin. Je crois que c'est, j'ai peur que ce soit celui-là. Je crois que c'est celui-là. Le chemin où je me suis retrouvé dans une situation très très compliquée. Je crois que je suis quasiment sûr que c'est celui-là. Alors, j'ai pas envie de. C'est le jour où je crois même que j'ai cassé mon dérailleur. J'ai pris le chemin qui était sur la droite. Et de mémoire, c'est vraiment pas une bonne idée. Ça descendait à pic. J'essaierai de voir sur Strava. Et comme j'ai vraiment un doute, je dirais que c'est par là, je préfère pas y aller. Je vais essayer d'en trouver un autre. Allez, je reviens. Je suis un peu bavard aujourd'hui. Demi-tour. On va voir. Hein. Je pense que c'est. En tout cas, la vue va être magnifique. Hein. C'est... Je pense que ça va peut-être m'emmener plutôt à un champ. Mais là, la vue, elle vaut le détour. Hein. Ouais, c'est ça, c'est un champ. Mais admirez la vue. Le Sancy, qu'on voit toute la chaîne, le Mont d'Or, le Mont d'Or, que ça je raconte, le Puy de Dôme. Ah, ça mérite une photo là. Ah, c'est vraiment magnifique là. Ah, ici, faire un bivouac, c'est le top. Là, ce serait magnifique, faire un bivouac ici. Hop. Alors, l'appareil à photo.
Là, je vais voir s'il y a un chemin là-bas au bout. Je suis pas sûr. Oups là, je me suis pris un coup de pierre dans la pédale. Ça, c'est pas bien agréable. Alors, est-ce qu'il y a... Ouais, je pense pas qu'il y a de chemin. Et non, bon, je m'en doute un petit peu, mais... Bon, je vais faire une petite boucle. Comme ça, on va dire que ce sera une mini impasse. Pas une vraie impasse, j'aurais fait une boucle. Ah, c'est beau quand même. C'est beau. Ah là, franchement, faire un bivouac ici, j'aimerais trop. Et l'année prochaine, je vais faire certainement une sortie en vélo, mais plus courte que cette année, parce que j'ai prévu de faire le GR20 avec des amis. Donc le GR20, ceux qui connaissent pas, c'est en Corse. C'est le parcours qui semblerait une des randonnées les plus dures d'Europe. Elle fait, je crois, 170 km. Donc on va la faire en 16 jours, si je dis pas de bêtises. Donc on va certainement la dernière semaine de juin et la première de juillet, aux alentours. Du coup, ça va me prendre 15 jours avec le transport et tout. À mon avis, ça va prendre 20 jours. Donc je pense que l'année prochaine, je vais faire certainement une balade en vélo, comme d'habitude, au mois de septembre. On n'est pas de un mois, certainement une balade qui va, j'irai d'une semaine, peut-être une semaine, 10 jours maximum, je pense. On verra. Bon, bah là, je tourne en rond, complètement là. Je ne sais plus trop par où était l'entrée du sentier. Oups là, encore un coup de pierre dans la pédale. Hop. Ouais, j'aurais bien exploré le champ également. Ah, c'était à côté, voilà, c'est là. Hop là. Et GR20, on peut pas le faire en vélo. Strictement impossible. Mais je ferai certainement pareil des vidéos. Même si c'est pas du vélo, je pense que ça peut vous intéresser. Et au pire, ça vous intéresse pas, vous serez pas obligé de regarder. Hein. Et j'ai bien envie, je vais faire la vidéo, donc une par jour, pareil. Étape par étape. Hop, mais bon, là, regardez ça un peu. Là, on voit tout, là. Donc en bas, en contrebas, là, c'est mon petit village. Et voilà, après, donc on a le Puy de Dôme là-bas. De nouveau, la chaîne du Sancy. Bon, allez, il est quelle heure? Oh, il est moins 20. Faut que je me dépêche un petit peu quand même, parce que j'en ai pour un bon quart d'heure de chez moi à aller au château. Et il reste 5 minutes pour aller chez moi. Mais bon, je pense que comme il est fini à 18h, et voilà le château. On va pas bien le voir, mais tac, là,
le vélo de ma femme. Et on va passer par là, je verrai mieux à la grille. Voilà, là on verra mieux là. Et voilà. Château de Parentigna. Bon, elle va pas tarder, elle va arriver d'une seconde à l'autre. J'ai entendu le tracker bouger, donc comme elle a pris le sac, c'est qu'elle va pas tarder. Je me suis aperçu tout à l'heure qu'à un moment j'avais oublié de brancher le micro cravate. Alors du coup, ben, je vais voir ce que donne le son Media Mode avec la bonnette là, j'espère que ça va aller, mais le truc qui fait beaucoup de bruit, c'est l'axe de la GoPro qui, quand ça bouge, vous voyez, ben, là vous n'allez pas l'entendre, mais ça, c'est ça qui fait beaucoup de bruit avec le jeu. Comme le truc il tourne sur 360, ça fait obligatoirement un peu de jeu. Je suis content de ma balade hein. Là il me reste à peu près un peu moins de 10 km pour rentrer, j'ai fait 41, ça fait 3 heures que je suis parti pile poil d'ailleurs, vraiment bonne balade. J'ai pas fait ce que je voulais à la base, mais alors par contre les voitures que j'ai vues, waouh, alors ça c'est top. Ah, un portail qui s'ouvre là bas je crois qu'elle va arriver de l'autre côté. Je pense qu'elle va arriver par là. Hop. La voilà. Ça va? Tu vas bien? Ah ouais, ça c'est... Je vais t'enlever le cadenas, tu veux. 41 km, je vais faire 50 avec toi. Prends ton temps. Tu l'as allumé? Oui. Je vais être fatigué là. Ouais, je vois bien. Après, on peut mettre la selle un peu plus bas, si tu préfères. Je vais te la mettre... Parce que pour pédaler, t'as la bonne hauteur, mais si t'as un peu de mal... J'ai mal à monter. Vu que je freine, ce matin, ben, je vais y tomber, quoi. À un moment donné, un stop, parce que c'était un peu haut. D'accord, mais pas de soucis. Là, disons que tu seras mieux pour monter, mais ça sera moins confortable sur le vélo, quand tu pédaleras. D'accord. Ça sera vraiment... À toi de voir. Et toi, tu montes du côté gauche, moi je monte du côté droit. Tout le temps du côté droit. Ah. Mais après, c'est toi qui vois. Tu sais, moi je me sens plus à l'aise. Bon. Je te suis ? Ouais, je te suis. Ouais. On y va ensemble, il n'y a personne là. Regarde ce film, Audrey. Il y a des voitures. Ça. Alors ça t'a bien fatigué. Bah mine de rien, comme t'attends beaucoup. Ah oui, t'as. Bah j'ai pas que de l'accueil aujourd'hui. Donc tu fais que accueillir les gens. S'il y a personne, tu fais rien. C'est ça? Et tu vas faire comment on appelle? Guide, ouais. Oui, 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 oui. Et tu fais accueil combien de temps? Guide, les tours, il fait plus d'une heure. Et il y a combien de personnes qui ont visité le château? Il
Ah, c'est pas mal, non? Oui, c'est bien. Donc là, à droite, la vraie, je suis pas sûr que ce soit plus rapide, mais si au moins c'est du bitume, ça roulera mieux. C'est peut-être ce que tu préfères. Je tourne bien à droite. J'ai eu un petit peu peur quand j'ai vu la voiture arriver. Bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see from up here. The world seems small, we can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free.
a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. Hop là. Bon, bah, je vais vous laisser là. Voilà, on a fait un petit peu de route là. Enfin, je suis en pleine descente. Je vais un peu vite pour elle. Je touche pas au frein. Allez, je vous dis à bientôt.
Allez, t'y es presque.